Pour une surprise, c'est une surprise. Pour clôturer la semaine en beauté, Emily Ratajkowski a annoncé une nouvelle, une binouvelle, et personne ne s'attendait à ça. C'est tout naturellement sur Instagram, Piper, que le mannequin américain a révélé son mariage express. Non, non, tu ne rêves pas. La sublime Bruna Diawi a son beau île friand en plein cœur de New York. Mais, qui est l'homme de sa vie? Une publication partagée par Emily Ratajkowski sans prévenir personne. Emily Ratajkowski a donc épousé Sébastien Birnklar, ce 23 février 2018. Son nom te dit peut-être rien, mais il exerce le métier de producteur et d'acteur, à ses temps perdus. Il a surtout participé à la production du film Good Team, avec Robert Pattinson. Point aujourd'hui, ce dernier est devenu officiellement le mari d'Emily Ratajkowski. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, cela fait peu de temps que les deux tourtereaux se fréquentent. Et oui, le bombe s'est séparé de son ex-compagnon de longue date, Jeff Magie, et la rupture date de quelques semaines. Visiblement, Emily Ratajkowski et Sébastien Birnklar ont eu un réel coup de foudre. Que c'est beau l'amour, en ce qui concerne la cérémonie, exige le mariage de princesse à plusieurs milliers de dollars. Les deux amoureux ont fait simple, très simple. En effet, Emily Ratajkowski et Sébastien Birnklar se sont juste rendus au City Hall de New York pour s'échanger les alliances. Seuls quelques amis très proches du couple ont fait le déplacement, comme l'influenceur The Fat Jewish et le réalisateur Josh Safdie. Côté look, le mannequin a également fait preuve d'originalité. Point au placard, la robe blanche de mariée, Emily Ratajkowski a craqué pour un ensemble moutarde Zara et pour un grand chapeau noir à bord large orné d'un voile. I'm never